Bah attends, mais Régis, qu'est-ce que tu fais? Je fais le tirage de la Ligue des Champions. Mais non, Régis, c'était hier, ça, le tirage de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Mais non, c'était hier. C'était hier? Bah ouais, t'es en retard, là, Régis. Ouais, mais c'était hier. Oh. Je suis pas français, je suis pas haïtien. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite et courte vidéo sur le tirage au sort de la Ligue des Champions d'hier soir. Parce que Régis, il a un peu oublié que c'était hier le tirage au sort de la Ligue des Champions. Régis, il a oublié le tirage au sort de la Ligue des Champions. Bref, juste pour faire cette vidéo, assez courte comme je viens de dire, juste pour voilà, faire un petit débrief du tirage au sort. Il y a beaucoup de youtubeurs de Paris qui l'ont fait déjà, qui l'ont déjà fait. Donc voilà, je fais juste cette petite vidéo de quelques minutes, juste pour donner mon point de vue à ma façon, de ma manière, avec mes mots, avec mon humour un peu... Et puis voilà quoi. Donc on a tiré City. Petite revanche, enfin revanche. Une revanche, ça serait bien si on les élimine. Voilà, ça sera différent, c'est en phase de poule, quoi qu'il arrive, on les éliminera pas même s'ils passent. Mais au moins les battre. Donc, aller en Angleterre pour manger un petit peu de roast beef. C'est bon le roast beef. Après, on a tiré Leipzig. Leipzig. Bon souvenir pour nous, ça. Puis retourner en Allemagne, aller manger un peu de saucisse de Strasbourg. Ça va être super magnifique. Nous allons nous mettre une petite pâté. Nous allons enfoirer les Allemands. Nous allons sur le terrain jouer 16h ou c'est nous à domicile. Ça va être génial. Donc, on va manger du roast beef en entrée, de la saucisse pour accompagner tout ça et du chocolat de Bruges en dessert, puisque de mémoire, c'est Bruges, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai regardé ça hier de mémoire. Bruges. Le club de Bruges. C'est génial. Capitale du chocolat. Magnifique. On va se régaler. Donc, en plat, viande, saucisse, génial. En dessert, chocolat de Bruges. Comme dirait Jeff, c'est bon les chocolats. Non, c'est génial. Donc franchement, aucune inquiétude. Leipzig, aller-retour, chez nous, chez eux. Bruges, chez nous, chez eux. Ouf, facile, attends. Oh, c'est facile. Et City, au parc, chez nous, devant un stand blindé, grâce à l'arrivée du petit Messi argentin, la poulga, la petite poupousse. Le stade, il va être blindé, donc entre 47 000 et 50 000 personnes, grand maximum, réparties partout. Nanana. Donc chez nous, dans notre stade blindé, avec Messi, s'il est là en forme, et puis Neymar, notre diva, si elle est là aussi en forme. Non, chez nous, c'est même contre City, ça va être un match accroché, assez difficile. Plutôt délicat, mais je pense qu'on va gagner. Chez eux, effectivement, oui, là, ça sera délicat, mais même chez eux, je pense qu'on peut accrocher le nul ou une petite victoire sur le plus petit des scores, 1-0 ou 2-1. Mais voilà comment je vois les choses. Donc, phase de poule, facile. Après les huitièmes, on verra bien. Les huitièmes, qu'est-ce que ça pourra être? Tout et n'importe quoi. Et honnêtement, hein, Chelsea, Barça, Real, Bayern, City... N'importe quelle équipe en 8ème, franchement, ben on va la prendre comme ça, la manger comme du chocolat de Belgique, et génial les gars, ça devrait le faire. Donc franchement, quand j'ai vu ce tirage au sort hier, il y en a beaucoup hier, même sur Canal+, leur boulot là, alors que c'est une parisienne elle aussi, enfin, et je sais plus comment il s'appelle l'autre journaliste de Canal pendant le tirage hier, oui, oulala, c'est une poule assez difficile pour le PSG, ça va pas être si facile que ça. Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Il est con, lui, ou quoi? Ça va pas être si facile que ça, ça va être difficile, ça va être drôle. Mais, les gars, vous êtes sur quelle planète? Putain, mais, tu vois, ça, c'est le manque de respect des journalistes vis-à-vis de notre club, tu vois? Notre club, notre petit club, là, hein? La plupart des gens, ils nous méprisent, ils nous aiment pas. Ils aiment pas le PSG, ils trouvent toujours les mots à dire. C'est comme l'équipe 21, là, ce journal... Je regarde souvent, hein, pourtant, c'est ça le pire. Mais c'est un journal de merde... Et c'est une émission sur l'équipe 21, franchement,
Ils parlent beaucoup du PSG, ça c'est sûr, ça c'est certain. Donc je me mets à la les autres supporters, vous devez en avoir marre, ils parlent beaucoup du PSG. Mais ils nous aiment pas. Je comprends pas, ces mecs ils sont schizophrènes. Ils parlent de nous toute la journée et ils nous critiquent toute la journée, les gars. Jamais on est encensé, jamais on est encouragé. Quand c'est les matchs de Ligue des Champions, 2 heures avant le match de la Ligue des Champions, les mecs ils te sortent des trucs, des titres de l'époque, des machins, oui, machin, est-ce que ça va être bien, nanan, créer des tensions, les gars. Faut être unis. Quand on est en Coupe d'Europe, on est le PSG, faut être unis. Point. Arrêtez les machins. Bref. Donc les mecs, ouais, ça va être dur. Nanana. C'est facile. Franchement, j'espère que je ne vais pas regretter cette vidéo au mois de fin novembre, décembre, là, et on sera sorti des poules. Hein. Mais c'est impossible, les gars. C'est pas possible. On est chaud. On est le PSG, on a Messi, on a Neymar, on a Di Maria, Mbappé. Bon, je sais pas si... Monsieur Perez, alors, vous avez pris chez Mbappé? Ouais, je sais pas. On sait pas. Donc, Wijnaldum, Verratti, Gay, Paredes, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Bernat s'y revient, mais bon, ça, je n'y crois pas trop. Hakimi à droite, même si Kurzawa, il va remplacer, ou Diallo, il va remplacer Bernat, c'est pas grave. Davas, Donnarumma. Franchement, juste avec ça, juste avec ces noms-là, vous avez peur, les gars. Franchement, vous craignez, même City, chez eux, vous les craignez. Non. City l'année dernière, et City il y a 5 ou 6 ans quand ils nous sortent avec Laurent Blanc, que ça nous serve de leçon. L'année dernière, en demi-finale, je ne veux pas faire le prétention à 2 francs, j'aime mon club, machin, nanan, je suis impartial. J'essaye de garder une certaine équité et de sortir mon cœur parisien quand j'analyse les choses. L'année dernière, contre City, c'est parce qu'on s'est chié dessus. Caca dessus. Voilà, à la Kimpembe, Danilo, on n'a pas supporté la charge. On s'est chié dessus, c'est de notre faute. La finale contre le Bayern, si vous analysez bien, on va arrêter de jeter la faute sur Kylian Mbappé, il a loupé un but, il fait une passe à Neuer. Ça, c'est sûr. Quand il frappe sur Neuer, il fait une passe. Mais si derrière, c'était costaud et solide, peut-être qu'on les aurait battus. Mais, moi, je pense quand même qu'on aura pu les battre sur cette finale. Ils ont gagné que 1-0. Si, rappelez-vous du match, on les a quand même une bonne partie du match en seconde période dominée. On a eu juste pas eu de chance. Mais on aurait pu gagner aussi. Donc, arrêtez d'avoir peur. Bayern, n'importe qui. Moi, j'ai pas peur. Ici, c'est Paris, les gars. Ici, c'est Paris, les gars. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo assez courte, enfin, je me répète tout le temps, mais j'essaye de ne pas faire trop long, parce que je sais que même moi, le premier, je regarde des vidéos, quand c'est trop long, j'en ai marre, mais bon, voilà. Petite vidéo assez courte. Les camés, n'oubliez pas, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous, likez, et on se retrouve très bientôt, mes camés. Ciao. Je suis pas français, je suis parisien.